Comment fabriquer un laboratoire pour faire ses glaces? Bonjour, je suis Fabien de la SARL Grid, donc constructeur de machines à glace en France. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, nous, on fabrique tout ce qui est machine à glace à italienne. On est le seul constructeur en France à fabriquer ce genre de machine. On fabrique aussi la turbine à glace et la machine à glace bâtonnée. D'accord? Donc, là, c'est la chambre froide. Donc, le laboratoire. Le laboratoire, comment on est, quand on est à la ferme, par exemple, ça peut être partout ailleurs, d'accord? C'est un exemple de la ferme, ok? Donc, comment faire un laboratoire? Donc, il existe plusieurs solutions. La plus simple, ça va être les panneaux sandwich. Les panneaux sandwich, c'est les panneaux de chambre froide, d'accord? Du coup, ça, c'est quelque chose, c'est du, en fin de compte, c'est du prémonté. C'est un petit peu comme du mécano. On assemble des panneaux et du coup, ça nous fait une pièce qui est complètement nickel et qui est aux normes. Ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper avantageux en tarif parce que on doit être autour, on va dire, entre 30 et 50 euros le mètre carré. Donc, ça fait pas tant que ça. Ça fait une rentabilité qui est super intéressante. Alors, en plus, l'avantage de ça, c'est que si vous avez une grange ou une ancienne pièce, que ben, plutôt que de faire des travaux, de faire des placos, des machins, etc., vous arrivez et en fin de compte, vous montez votre pièce tout autour. À l'intérieur de la pièce, d'accord, vous laissez un passage comme ça derrière tout ce qui est câblage électrique et tout ce qui est eau, ben, vous pouvez carrément le brancher par derrière, comme ça il n'y aura pas de vue, vous fermez bien les cloisons, vous êtes tranquille, vous laissez un accès quand même au cas où pour pouvoir y accéder par une petite porte par exemple, d'accord, et du coup vous allez monter votre labo, le laboratoire qui sera tout près, d'accord. Vous avez vu, une chambre froide, ça se monte facilement, on arrive, on enquille les panneaux les uns dans les autres. Et à la fin, on a une chambre froide, d'accord? Et ben, le laboratoire, ça peut être pareil. Et du coup, ça répond aux normes et c'est super facile, d'accord? Alors, par contre, après, ça, c'est à l'intérieur. C'est vrai qu'à l'extérieur, il y a toujours moyen mais de mettre une structure un petit peu plus costaud, mais faire le même principe. Vous arrivez, vous avez une charpente et vous montez vos panneaux sandwich, d'accord? Les panneaux sandwich, c'est prévu pour. Du coup, il n'y a pas besoin de faire de gros travaux, de grosses maçonneries, tous ces trucs-là, d'accord? Bon, il vous faut une chape, d'accord? Il vous faut au moins une dalle qui est propre. Et voilà, après, pour pouvoir que ça soit bien de niveau, vous êtes tranquille, d'accord? Il existe des panneaux sandwich pour le sol, des panneaux pour le côté, pour le haut, d'accord? En plus de ça, l'avantage de ce système-là, c'est que ça sera isolé. Du coup, ben, vous rajoutez une petite clim. Vous pouvez même faire une fenêtre dedans, d'accord? C'est vraiment simple, hein? Et du coup, ben, vous avez quelque chose qui sera à température, il n'y aura pas besoin de chauffer en hiver. Et voilà, je veux dire, quoi de neuf, hein? Que demande le peuple? Des sous. Ok? Allez, ben, je vous remercie pour le pouce bleu, n'hésitez pas à partager. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez fait, vous, votre laboratoire, d'accord? Donc, je disais que c'était pour à la ferme, mais ça veut dire ça peut être aussi en ville, d'accord? Plutôt que de faire du carrelage, des fois que ça coûte une blinde, d'accord? Panneau sandwich, isolation et propreté. Ok? Voilà, et ben allez, je vous remercie pour le pouce bleu, n'hésitez pas à commenter et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.